Seigneur, qu'il cherche des enfants.
je me lève, longtemps m'avance. Tu connais mes pensées. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres, que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant aussi. Tu poses ta main sur moi. Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. Où pourrais-je aller loin de toi? Où fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si je m'envole jusqu'au soleil levant, ou si je vais m'établir au soleil couchant, même là, ta main me guide, ta main droite ne me lâche pas. Si je dis que l'obscurité m'engloutisse, qu'autour de moi le jour se fasse nuit, pour toi, l'obscurité devient lumière, et la nuit claire comme le jour, ténèbres lumière, pour toi, c'est pareil. Et nous prenons maintenant le chant dans mon livret, mange et boire à tout le monde. Dans la prière et reconnaissons ce qui nous éloigne de lui.
Si nos voix ont chanté tes louanges, mais que la joie est restée absente de nos cœurs, Seigneur, pardon. Si nous n'avons prié que pour ce qui est possible et espéré que pour ce qui était visible, Seigneur, pardon. Si nous avons pris ta grâce comme allant de soi et pensé que nos demandes devaient être suivies de réponses immédiates, Seigneur, pardon. Si nous nous sommes endormis sur ta parole d'amour et si l'attente de ton royaume est devenue notre paresse, Seigneur, pardon. S'il nous arrive de croire que nous sommes seuls à compter sur toi sans jamais considérer combien toi, Seigneur, tu comptes sur nous, Seigneur, pardon. Et nous allons chanter « Veux-tu naître de nouveau ?» Je crois en Dieu,
amour qui embrasse toute sa création. Mystère éternel, de qui, par qui et en qui toutes choses sont. Je crois en l'avenir de Dieu éclairant le monde, Jésus-Christ notre Seigneur, dont l'humanité maternelle est née de la vie même de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Il a été exécuté par les puissances qui existent de tout temps, partageant la mort et le logis auquel nous sommes tous confrontés. Surmontant le pouvoir de la mort et du logis, il est ressuscité d'entre les morts et ne fait plus qu'un avec le mystère de Dieu, la lumière de Dieu et la vie de Dieu. Il y a beaucoup plus à venir au-delà de cette histoire, la rédemption de Dieu pour l'ensemble de la création grâce à l'amour de Jésus. Je crois dans le souffle vivifiant et émouvant de Dieu, dans la sainteté de la vie commune de Dieu avec tous les hommes et avec toute la terre, dans la sainteté de l'Église, dans le pardon du péché, dans la vie nouvelle dans le Christ et dans la sûreté complète de notre vie en Dieu pour toujours. Je crois, je peux vivre. Amen. Je vous invite à
Comme l'enfant reçoit le pain, comme l'oiseau reçoit l'espace avec le grain, comme l'ami reçoit la nuit, comme la nuit reçoit l'aurore et le soleil, comme le sol reçoit la semence, comme la sève monte aux branches et porte fruit, donne-nous, Seigneur, d'accueillir maintenant ta parole. Amen. La première lecture se trouve dans Ésaïe 43, versets 1 à 7. Peuple de Jacob, maintenant ton Créateur, lui qui t'a formé, Israël, le Seigneur te déclare, n'aie pas peur, je t'ai libéré, je t'ai engagé personnellement, tu m'appartiens. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, moi, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, je suis ton sauveur. Je donne l'Égypte pour payer ta libération, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. C'est que tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Donc, je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. De l'Est, le soleil se lève, je fais revenir tes enfants, et de l'Ouest, où ils se couchent, je rassemble les tiens. Je dis au Nord, rends-les donc, et au Sud, ne les retiens pas. Ramenez mes fils de là-bas et mes filles du bout du monde. Ramenez ceux qui portent mon nom, tous ceux que j'ai créés, que j'ai façonnés, que j'ai faits, pour qu'ils manifestent ma gloire. Et la seconde lecture se trouve dans Matthieu, au chapitre 28, les versets 16 à 20. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites-nous mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La troisième lecture du jour, qui sert de base à la prédication, se trouve dans Romains, au chapitre 6, les versets 3 à 11. Ne savez-vous pas que pour nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant unis à lui dans sa mort? Par le baptême, donc, nous avons été enterrés avec lui pour être morts avec lui, afin que tout comme Christ a été ramené de la mort à la vie par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Sachons bien ceci, l'homme que nous étions auparavant a été mis à mort avec Christ sur la croix, afin que notre être pécheur soit détruit et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Nous savons en effet que Christ, depuis qu'il a été ramené de la mort à la vie, ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui.
mais dans la vie qui est maintenant la sienne, il vit pour Dieu. De même, vous aussi, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. C'est une prédication inspirée de celle qui a été écrite par le pasteur Alexandre Brunet. Afin que nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Que dire? C'est ainsi que Paul commence son sixième chapitre de sa lettre aux Romains. Et même si notre texte ne commence qu'au troisième verset, je ne peux m'empêcher de soupirer avec lui. Car effectivement, que dire devant des questions aussi complexes, aussi abstraites, aussi denses? Comment traduire ce morceau de théologie paulinienne en des mots qui nous parlent aujourd'hui? Cela fait des jours que je tourne autour pour essayer de trouver une réponse à ma question. Qu'est-ce qui me touche aujourd'hui dans ce qui a préoccupé Paul il y a 2000 ans? Paul vient de parler longuement de la grâce dans le chapitre précédent. Il suffit de croire pour être justifié et être en paix avec Dieu. Il ose même dire que là où le péché se multiplie, la grâce prospère. Dans Romains 5, verset 20. C'est lui-même qui formule tout de suite la réaction qu'un petit lecteur malin pourrait avoir. Pour obtenir la grâce, je dois la continuer à pécher de façon illimitée. C'est devant toute cette réflexion que notre texte s'ouvre en introduisant le thème du baptême. Paul le dit avec des images fortes. Par le baptême, nous sommes plongés en Jésus-Christ, engagés dans le Messie. C'est dans sa mort que nous avons été plongés lors de notre baptême. Nous avons été mis au tombeau avec lui et nous avons été réveillés d'entre les morts pour marcher dans une vie nouvelle. Il faut se souvenir que pendant longtemps, le baptême se faisait par immersion complète, ce qui peut dans une certaine mesure être comparé à une mise en terre. Baptisés en lui, les péchés ont perdu tout pouvoir sur nous. Voilà en gros ce que dit Paul. C'est bien de tout cela. Mais quand je regarde autour de moi, ou mieux encore quand je regarde au fond de moi-même, je me demande comment cela fonctionne. En quoi mon baptême a-t-il changé ma vie? M'a-t-il libéré de mes péchés, de mes fautes, mené à une vie nouvelle? Honnêtement, depuis ma plus tendre enfance, mon baptême ne m'a pas empêché de faire ce qu'il fallait mieux que de ne pas faire. Le baptême n'est pas un produit miracle qui me change par un coup de baguette magique. Et pourtant, après avoir relu les versets plusieurs fois, les propos de Paul me semblent moins abstraits que de prime abord. Le désir de rompre avec nos fautes, nos péchés mignons et avec ce qui nous rend esclaves. Et là, on peut y mettre plein de choses, la nourriture, le travail, le sexe, les jeux, l'argent, la pollution, les relations qui ont viré dans une drôle de dépendance, l'impuissance face au système politique, etc. Tout cela pour marcher dans une vie nouvelle et libre me semble plus que naturel. Une nouvelle vie est même un des grands thèmes de notre société moderne. Et je pense à des situations très concrètes auprès de moi. Des personnes qui ont été rompre avec un travail qui ne leur plaisait plus pour faire tout autre chose. L'homme qui a décidé de faire un régime et a perdu les 60 kilos qu'il avait en trop. Cette femme qui, après 50 ans de vie commune, a décidé de dire non à son mari. Le mouvement de la transition écologique qui cherche à se préparer à un monde sans pétrole. On retrouve le même thème dans la littérature ou dans des films, jusque dans leur titre même. La vie nouvelle de Paul Schneider. C'est un roman et c'est un film. Voici le synopsis. À Montréal,
de ses blessures. Il se rend au funérarium pour prendre l'urne de son enfant qu'il avait délaissé. Il rentre chez lui où l'attend son épouse, une carriériste acariâtre. Elle le harcèle pour qu'il porte plainte. Elle compte bien utiliser l'argent ainsi récupéré pour payer les études à avoir de leurs deux fils. De son côté, Paul pense plutôt à se reconstruire et renacle à s'enrichir grâce aux décès de sa fille. Et parce qu'il aime marcher, ce cadre ultra-diplômé démissionne et se reconvertit au grand dam de son épouse en promeneur de chien. Ce sont les mêmes thèmes. Plongé dans la mort de sa fille, Paul Schneider est réveillé à une autre vie. Tout ce qui lui paraissait important auparavant a perdu sa saveur. Ses diplômes, sa carrière, l'argent. Il découvre ce qui fait vraiment sens. On le retrouve même en train de marcher dans sa vie nouvelle. Mais pour tous ses désirs et ses tentatives de nouvelle vie, on n'a pas besoin d'être baptisé. Paul Schneider n'a pas choisi d'être plongé dans la mort de sa fille, comme on peut choisir d'être immergé par le baptême dans la mort de Jésus-Christ. Il s'agit d'un terrible accident dans lequel il perd sa fille et dont il essaye de se remettre. Alors, que dire? Pourquoi vouloir être baptisé? Pourquoi demander le baptême pour son enfant? Et une fois baptisé, comment vivre son baptême? Et pourquoi comparer le baptême à la mort? Quand les mots ont du mal, des images nous aident parfois. Comme la sculpture du Christ ressuscité du sculpteur polonais Igor Mitorage sur la porte de la résurrection de l'église Santa Maria degli Angeli et dei Martiri à Rome, dont la photo est sur les feuillets de champ. On y voit un homme debout. Il sort de terre. Ce corps n'est pas au concret. Comme dans une des innombrables statues d'antiquité qu'on retrouve dans les musées, il est sans bras. Comme pour témoigner de toute la fragilité et de toute la précarité de l'existence humaine. Mais malgré ses blessures, il est vivant et il marche. Son corps est traversé par le signe de la croix. Mais elle n'est plus là. Là où elle était, il y a un vide. Comme si elle avait perdu toute sa matérialité. Le bois, les clous, la violence, la souffrance. Elle fait place à autre chose. Elle trace un chemin. Le chemin sur lequel l'homme peut marcher. Le chemin sur lequel l'homme peut se tenir. Droit. Vivant. Pourquoi vouloir être immergé dans la mort de cet homme? Justement, parce qu'il en est relevé, parce qu'il fut réveillé de la mort. Je pense à une veillée de Pâques, vécue il y a longtemps, où j'ai vu la même croix, vide, tracer un chemin. Dans la pénombre du soir, les prières prononcées sur l'eau du baptême. Elle faisait allusion à la traversée des enfants frères de la même cause. Et un signe de croix sur cette route de la mort. Et tout à coup, les eaux se séparèrent en deux murs pour tracer, pour ouvrir un chemin. Ce signe de la croix était une exégèse incarnée d'une interprétation visible du chapitre 14 de l'Exode. Les enfants d'Israël, en partant d'Égypte, étaient accompagnés par une importante population, par des peuples mélangés, venant de partout, composés de toutes sortes de gens. L'Ecclésia, la première assemblée chrétienne, n'est jamais toute seule. Comme la limaille de fer, l'humanité se colle à son magnétisme. Mais n'est-ce pas nous, les chrétiens, ce mélange nombreux, ceux qui suivent cette limaille de fer? Et n'est-ce pas là qu'on s'approche du mystère du baptême?
Voilà comment l'Ecclésia de l'Exode s'est complètement réduite en une seule personne, en Jésus-Christ, dans toute sa solitude. C'est lui qui est passé à travers les eaux de la grande négation. Il a accompli l'Exode et nous sommes ce peuple, ce mélange d'ombre qu'il a tiré avec lui. Quand on baptise dans cette mer artificielle du baptistère, au-dessus duquel est tracé le signe de la croix, alors nous tous, car celui qui est baptisé représente toute la communauté, nous tous sommes tirés à travers la mer dans le mouvement du Christ et posés sur l'autre rive, du bon côté, du côté de Canaan, dans la nuit de Pâques et tous les jours de nos vies. Alors, pourquoi moi être immergé dans la mort de cet homme? Justement, parce qu'il en est sorti et qu'à sa suite, il nous tire à la vie. Le corps de la sculpture sur la porte de la résurrection porte le signe de la croix, ce chemin de la mort vers la vie. Et ce corps devient le signe du corps de chaque baptisé. Nos corps baptisés portent en eux ce signe qui nous permet de vivre, qui nous donne notre colonne vertébrale, qui fait battre notre cœur, qui nous montre le chemin de notre éthique et de nos engagements, qui nous dit et nous redit que les forces mortifères dans nos vies, dans nos sociétés, dans notre monde, n'ont pas le dernier mot, que nous sommes appelés à la vie, à sortir de ce qui nous ensevelit, de ce qui nous rend esclaves, pour nous remettre debout, malgré nos blessures, malgré nos souffrances, pour marcher dans la nouveauté de la vie. Mm-hmm.
comme la boisson réjouit notre esprit. Que ce pain nous donne la force qui vient de toi, et ce jus de fruits, la joie que tu veux pour nous. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te présentons maintenant toutes les demandes qui habitent notre cœur, et nous te prions. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous fais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et après avoir remercié,
et ton amour. Allez dans la joie et la reconnaissance pour notre Seigneur. Je vous invite à chanter le dernier des chants. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. Père,